4 interrogation 73 de Foxtrot 0 Golf November Kilo 59 à votre écoute. Ok, Foxtrot 0 Golf November Kilo 73 du 59, je crois qu'on s'est déjà, copié. Ici Foxtrot 4 Golf Whiskey Alpha. Opérateur Joël, le département 60. Alors je suis très surpris de voir le relais d'Albert fonctionner à mon QRA, c'est bien la première fois, et j'ai regardé à deux fois avant de répondre. Micro de retour, L0 Golf November Kilo, Fox 4 Golf Whiskey Alpha. Ok Joël, F4 Golf Whiskey Alpha 60, F0 GMK 59. Hein. Oui, oui, le relais d'Albert arrive d'une façon phénoménale ce soir-là. Et sur un poste, j'ai un bar graphe à LED, là. Il est bloqué à plus 60. Par contre, celui où je module, là, c'est une aiguille, hein, et elle tremble sur la butée. Hein. Donc ça dépasse les plus 60. Hein. L'aiguille tremble, hachi. Donc le prénom de l'opérateur est Jean, comme Juliette Echo Alpha November. Et le QTH, la ville de Hazebrouck, dans le 59, 45 km à l'ouest de la ville de Lille. Voilà Joël, bah, écoute, ça passe bien ce soir. Hein. Au niveau local, j'ai contacté le département de l'Eure, Seine-Maritime, le 78, le 92, maintenant le 60, bien sûr le 59 et le 62, ça passe très très bien. Hachi, micro retour, F4 Golf Whiskey Alpha 60. F0 GMK 59. Ok Jean, F0 GMK 59, F4 GWA le 60. Ah ben, c'est vraiment exceptionnel, hein, une propagande comme ça. Moi je veux pas dire que le signal il m'arrive comme il t'arrive à toi. C'est un signal de 3. Et c'est la première fois au QRA que j'entends le relais d'Albert. Habituellement en mobile, ça passe, ça dépend où je me trouve. Mais jamais au QRA. Et ce matin, c'était le relais de Saint-Gobain, c'est à peu près dans les mêmes conditions. Bon, il m'arrive un peu plus souvent. Et ça passait très bien et ça s'est coupé d'un seul coup. Alors, bon, c'est les aléas de la propagation sporadique comme ça. Et si ça se coupe d'un coup, faudra pas s'étonner. Ok Jean, mais on a déjà fait contact à plusieurs reprises, je pense, sur le R3. Et je vais démarrer le carnet de trafic, le log. Et je vais certainement retrouver ça. Ok, c'est formidable. Oui, si ça bloque le SMET, là, c'est quand même relativement important. Je te retourne le micro, Jean, F0 GNK, je regarde en même temps sur le log, Fox 4 Golf Whiskey Alpha, écoute. Oui, ok Joël, F4 GWA, F0 GNK. Oui, oui, ça passe très très bien là. Pour moi, les conditions de trafic ont changé là. Un IC290 là. Et toujours l'antenne top 13 dans les combles du QIRA pour le moment. Voilà, il y a le relais de Saint-Gobain qui passe bien aussi. Ce matin, 59 plus 60. Et ce soir, là, un peu moins QIRO. Il arrive 57-58 sur Hazebrouck. Hein. Voilà. Et j'ai tenté le relais de Reims qui ne passe pas. Et par contre, tout ce qui est parti ouest de France, il n'y a rien qui passe pour moi. Hein. La France est coupée en deux. Hein. Je vais de Lille jusqu'à Montpellier pratiquement, et toute la partie droite je reçois, toute la partie gauche négative. Hein. Ça marchera certainement mieux quand j'aurai des aériens sur le toit du QRA. Voilà Joël, alors je peux pas confirmer le 60, oui j'ai fait pas mal de QRI. Ouais, le 60 j'ai fait pas mal de stations, et notamment j'y prends bien garde hein, parce que j'ai moi-même habité à côté de Beauvais, enfin Milly-sur-Terrain, pas loin. Et je prends un soin tout particulier à les noter là, mais j'ai pas accès à mon log informatique pour le moment. Voilà, je...
Joël, micro retour, Foxtrot 4, Golf Whisky à 60, F0 GMK 59. Ok, ok Jean, QSL 100%, là, la modulation est super, là, ça passe vraiment très très bien. Hein. Alors j'ai regardé sur le log, oui, la première fois qu'on a fait contact, c'est le 14 mars 2012, et après il y avait 18 août 2012, 23 10 2012, 28 2012, 15 11 2012 et 7 7 2013. Et il y en a un qui n'est pas trop vieux. Et bah, à chaque fois c'était sur le R3, sur le relais de Saint-Gobain. Ok. Moi, si je suis à peu près dans les mêmes conditions, sauf que il y a beaucoup plus de choses qui ne passent pas. Moi, l'antenne, je suis en appartement et l'antenne est accrochée à la fenêtre, hein, au deuxième étage, et c'est très très mal dégagé. J'ai des immeubles un peu partout, des pavillons en face, et depuis 3-4 mois, là, il y a une grue qui, même un peu plus, ça fait bien 6 mois, il y a une grue qui s'est installée dans mon environnement, là, sur un chantier en cours, et elle me bloque toute la réception. Et ça dépend un peu comment la flèche est orientée le soir, mais bon, la plupart du temps, il n'y a plus rien qui passe. Même le relais R7 de Sainte-Geneviève, qui est vraiment pas loin de chez moi, il est bloqué également. Alors c'est quand même assez exceptionnel, j'avais pas vu que ça passait bien ce soir, sinon je me serais mis plutôt sur la VHF. Là j'étais en train de faire un peu d'écoute sur le 40 mètres, il n'y a pas grand monde, et je regrette de ne pas avoir démarré un peu plus tôt, j'aurais pu certainement faire quelques QSO sur le R3. Voilà, j'étais un peu bavard Jean. Je retourne le micro, F0 GMK, F4 Golf Whisky Alpha, t'en écoutes.